Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel, comme d'habitude, quatrième épisode de Métro 2033. On essaye de retrouver notre copain à qui on ne peut pas spécialement faire confiance. Mais je suis dans une habitation et j'entends quelqu'un, il y a plein de pièges. Il y a plein de pièges, je me les suis tous pris. Alors, là il y a un piège, j'aimerais bien... j'aimerais bien ne pas me le prendre. Alors ce qu'on va faire... Voilà. Ce sera déjà ça. Et on va aller rendre visite au gars. Parce que j'entends réellement quelqu'un. Alors j'espère que c'est pas quelqu'un de méchant. Ah. Si on descend on peut plus remonter. Bonne idée. Pas des pièges ça. Ok. Eh ben écoutez, là ça va où encore? Ça mène à nulle part. On change le filtre à air. Ok, y a rien. Ok. Bon, on va continuer par ici. Lui il est en train de se faire bouffer. Très bien. Alors. Ah. Ok, je pensais qu'on aurait une petite vue sur quelque chose. Là ça monte, allez let's go. Oh, il m'a fait peur lui. Il m'a fait peur. Ok. Bah j'avais entendu quelqu'un mais il y avait personne hein. Ah putain. J'en ai marre de me faire piéger, bon ça va j'ai rien eu. Encore un piège. Non? Attendez, ma montre elle bip, pourquoi? C'est bizarre. Ok, on va éviter d'aller dans les flaques d'eau. Alors c'est vrai que dans la dernière vidéo on a récupéré cette arme qui peut être assez utile. Ça c'est le canon double coup que j'aime pas. Et ça c'est ma petite mitraillette fétiche. Ok. Alors bonsoir. Et ben on va continuer par là. J'ai vraiment hâte de retrouver mon pote hein. Oh! Tu m'as vraiment fichu la frousse. Ah! Je suis content que tu t'en sois sorti. Moi aussi, je suis content de te retrouver surtout. J'ai cru que t'étais cuit. Eh ben voilà. On y est presque. Il reste encore une cour. Ouais. Je vais faire attention à lui parce que il m'a quand même lâché. Il m'a abandonné quand même en fin de compte. Hein. Mais en vrai, il a pas l'air méchant. Par contre, faire gaffe, j'ai bientôt plus de filtre, hein, je crois. Je sais pas combien il m'en reste. Ouais, deux même. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui, oui. Là-bas, là-bas, tu l'as pas vu? Là! Ne mange pas la personne. Ah, tu m'as dit de m'occuper du mec à droite, alors je te laisse. Voilà. Ok. Les gars, vous êtes un peu beaucoup là. Attends, alors il est en train de danser la Macarena. C'est quand vous voulez pour mourir. Ah, attendez. On va reprendre ça. Yes. Eh bah c'est nickel. Je me suis fait pris. Je me suis fait prendre. Je me suis fait prendre. Ouais. Alors déjà
arrête de me prendre. Bon, eh, alors il y a tout le monde qui me prend. Heureusement que le mec est là pour moi. Oh. Mais cette cascade incroyable. Mais c'était phénoménal ce qui vient de se passer. En retournant sous terre, j'avais soudain réalisé que ma ville était à présent un endroit hostile et étranger pour moi. Je me sentais en sécurité ici, dans l'obscurité du métro. D'autant que Bourbon prétendait avoir des amis à la station Arine. Forcément, donc vu les... Parce que c'est sa ville du coup à l'extérieur et... C'est pour ça qu'il a eu des flashbacks de son enfance et tout, tout ce qui pouvait se passer à l'époque. Et maintenant, en effet, on est quand même plus en sécurité dans le métro, quoi. Écoute-moi bien. Les bandits dirigent cette station. Il faut qu'on se déplace sans faire de bruit pour jeter un œil. Si on ne voit pas mes amis, on se barre d'ici. D'accord. Et là, maintenant, on est dans, dans une station où il n'y a que des bandits. Donc là, c'est vraiment des méchants. Cette fois-ci, il n'y a pas de doute, on va faire attention, hein. Je me souviens de cette grille. On a qu'à... Parle moins fort par contre quand tu parles en fait, hein. Ce serait quand même pas mal. Je rentre pas dedans. Bon, reste ici. Le premier dedans, ça roule. Ah! Attends! Attends! Qui va là? Hé, hey, éclaire-moi un peu! Oh, mais regarde qui c'est! Bourbon l'ivrogne! Et regarde qui parle! Conduis-moi à ton chef, j'ai des choses à voir avec lui. Mon chef? Mais bien sûr! Alors, allons voir le chef! Où tu voudrais aller d'autre, toi, hein? Ok, ça suffit! Sinon, on va devoir le traîner! Ok, c'est en train de le taper! On se magne, on finira ça plus tard! On se magne! Ah ouais, c'est chaud. On n'a pas intérêt à leur tomber dessus à eux, hein. C'est pas des rigolos, hein. On va voir s'il a oublié quelque chose. Je vois pas ses affaires. Ouais. Ah bah. Voilà, bien joué à toi. Y'a que des rats ici. Ok, alors on y va. Allez, on va récupérer. Ah bah du coup on va pouvoir récupérer sa... Son AK. Yes. Son AK. Et alors attendez, on va inverser le canon double coup avec mon arme de base si c'est possible. Est-ce que c'est possible? Ouais. J'aime quand même bien cette mitraillette. Voilà ma petite mitraillette. L'AK et ce gros truc, je ne sais pas ce que c'est. Ok. Eh ben les gars, je crois qu'on va bien s'amuser. Alors on peut sortir par là. On peut sortir là où on veut. Je vais pas sortir ici. Alors, comment dire qu'on vient de frôler la catastrophe? Ok. Eh bah c'est bien la merde. C'est bien la merde les gars. Qu'est-ce que tu veux faire? Aïe 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 aïe. Il a un silencieux sur son AK? Non, je crois pas. Comment on va faire? Attends. Y'a sérieusement un gars qui vient de lancer une planche de bois là? Oh là là. Yes. Alex. Je viens de trouver comment m'infiltrer. Oh, le bruit que je fais. J'ai entendu dire qu'une espèce de bandit armé solitaire a battu toute l'équipe du barrage. Ok. Il pouvait être plusieurs, mais on est censé le savoir maintenant.
Quel barreur ? Celui de Chinatown ? Mais non, c'est du Zriga chez les vendeurs. Est-ce que je peux sortir là ? J'aimais bien cet endroit, il est dans l'arrière-cour d'or. Yes. Alors y'a quatre raquettes. T'as vu le type qu'ils ont attrapé à l'instant ? Non ? C'était qui ? Bourbon ! On aurait cru que les gens fuient des chicalages. Comment il a osé ? Vous avez touché à mon Bourbon ? Toujours à penser aux affaires. Et alors ? Ils s'en déconnent. Quoi ? Les nouveaux patrons en veulent vraiment un Bourbon. Ça m'étonnerait que ce sac à vin soit encore vivant au lever du jour. Tu crois que les nouveaux patrons extérieurs ? Spam m'a dit qu'il a fait ça. Peut-être que je leur demanderais trop d'efforts. Un tir dans la tête. Hey, qu'est-ce qui se passe ? Non, ils pensent que t'étais là pour une désinfection ou un coup comme ça. Ces types font putain de courant d'air. C'est méga angoissant. Yes! Je me suis fait cramer, je crois. Je suis pas sûr. Bon, heureusement que j'ai la 4 Bourbon quand même, hein. Ah ouais. Comment je vais me sortir de ce merdier ? Hop là, une balle dans la tête, c'est réglé. Bon. Attendez, j'ai trouvé un truc. Je suis un génie. Ok. Attendez, j'ai réussi à me planquer. J'imagine que là où je vais, c'est énorme. Ça va, monsieur ? Ah, je reste discret, hein. Attends, il se passe un truc bizarre là. Ok. Ah, mais c'est de la drogue. Ok, j'avais pas compris. En fait, je vous explique ce qui se passe. Toutes mes touches sont inversées à chaque fois. C'est trop bien fait. Ah ouais, tu m'étonnes, le mec, il est fonce dé. Allez, c'est quand tu veux, hein. Ah, c'est marrant. Voilà. C'est bon ? C'est bon. Oh yes. Je les ai échappés pour le moment. Y'a pas d'autres accès là, non ? Oh putain ! Comme il m'a cramé. Ouais, je me suis chié dessus.
Putain, j'aimerais lui mettre une balle dans la tête. J'ai plus de mun, j'ai plus de mun du tout. J'ai plus de mun. Faut que je récupère. Bon, ça m'a l'air safe, y'a plus personne. Mais ouais, j'ai plus de mun. Alors attendez, il faut que je récupère. Ah non, y'a plus de mun. Bah, c'est bien la merde. Alors. Y'a peut-être des choses là, ah, des munes ici. Tac tac. C'est pas les munes pour mon arme. Alors. Bourbon. Merde. Oh, je viens de tomber dans un trou. Ah bah, des munes d'AK, parfait. Parfait, parfait, j'ai bien fait d'être tombé, allez, ressort. Bourbon, je vais te sauver. Un piège. Yes. Eh bah heureusement que je peux me soigner. Putain, ils mettent des pièges même ici, ils sont forts hein. Dans leur propre... Ah ouais, puis c'est un métro, il y a des mutants dedans. Très bien. Je suis pas là hein. Je ne suis pas là. Foutez-moi la paix, là je peux pas aller. Eh ben on va aller là. Qu'est-ce que t'as amené avec toi? Réponds, cuette, ou je te mets une balle dans la tête. C'est le bon? Oui, parfait. Ah non! Bourbon! Bourbon! Non! Tu peux baisser ton arme, jeune homme. Une fin triste mais prévisible pour quelqu'un de son espèce. Je m'appelle Khan. Eh bien, je suggère de quitter cet endroit sur le champ. Les compagnons de ces bandits ne tarderont pas à rappliquer, et je préfère éviter un autre bain de sang. Je rentre à la station maudite. L'humidité ici réveille mes rhumatismes. Si tu veux connaître le même sort que ton ami, ne te gêne pas. C'est qui ce mec? Reste ici. J'adore comme il est zen. Y'a juste un mec qui essaie de défoncer la porte. Bah vas-y, je te suis zen, hein, tranquille. Hein. Il faut croire que les types comme Bourbon sont nés avec la corde au cou. Bah, en même temps, le mec, il s'est... Bon, il est mort maintenant, mais il s'est foutu dans la merde tout seul après. Hein. Il a pas... Voilà. Ils passent leur vie à jouer avec le feu, risquant tout ce qu'ils possèdent chaque jour que Dieu fait, et ils pensent pouvoir continuer éternellement. Mais on ne peut pas tromper la mort. À force de marcher au bord du précipice, on finit par tomber. Pourquoi est-ce que j'écris tout ça? Pour me persuader que je ne suis pas coupable de sa mort. Qu'il devait tôt ou tard y passer à cause des risques qu'il prenait. Non, j'écris tout ça pour faire taire cette petite voix dans ma tête qui ne cesse de répéter que j'aurais pu le sauver. Que j'aurais pu donner une autre direction à sa vie, qu'il n'était pas si mauvais finalement. Bah, en soi, grâce à lui, j'ai une AK. C'est le monde dans lequel nous vivons qui nous façonne. Et de quel droit Khan se permet-il de le juger? Khan, il est gentil, hein. On dirait que je me suis attaché à ce mec. Bon, en fin de compte, bon... Bon alors. Sage décision. Bah bien sûr, je vais pas rester ici. L'apparition de Khan m'avait pris par surprise. Pourtant, en combattant les bandits, j'avais senti que quelqu'un m'aidait depuis l'obscurité. Khan m'avait assuré que le destin de Bourbon n'était pas lié au mien. Mais je regrettais sa mort. Ah bah, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Allez, on s'arrache. Mince, pardon, je voulais juste allumer la lumière. En tout cas, Khan, bonne douce, hein, il est vraiment zen. Hein. Personne ne vient jamais ici. Ni les hommes, ni les monstres. Il n'y a même pas de rats. Oh. Ah, c'est plutôt bonne nouvelle, non? Entre nous. C'est bon signe. J'ai tendance à lui faire confiance, mais alors par contre, il est tellement zen. Ils savent qu'on est là. Approche-toi des tuyaux et écoute. Ne reste pas trop longtemps. Ah, parce que les tuyaux, c'est les morts qui parlent, c'est ça? Ouais.
Certains disent que c'est la voie des tunnels. D'autres croient que c'est une sorte de force psychique. Ce que je viens de dire ? Tu répètes pas ce que je dis bêtement ? Je connais ce tunnel. Et lui me connaît aussi. Et il me fait flipper un peu quand même. On y va. Fais attention, ici c'est un tunnel dangereux. C'est bien de me le dire. Garde bien ta lumière allumée, mon ami. Ou on risque de rester coincé ici pour toujours. Arrête-toi et regarde devant. On ne sait jamais ce dont ces choses sont capables. Il faut continuer le touchement. Ok, faut éviter les ombres. Eh, viens avec moi, gros, tu me fais peur. Ah, je peux pas ouvrir la note, j'ai pas été assez rapide. Maman, t'es où ? Allez, viens. On peut pas passer, gros. Ouais ? Ouais ? T'es bugué ? C'est bon ? Ça va ? Tu veux qu'on s'assoie peut-être ? D'accord. Alors j'ai pas du tout comprendre. D'accord. Bah écoute, je vais demander pour faire repartir le train alors. J'ai raté quelque chose. D'accord. Ah putain, non seulement t'es zen et en plus tu résistes aux balles toi. Bon. Eh bien, on va s'en arrêter là pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour le prochain. Je vais relancer le jeu pour le prochain épisode. Ça me permettra aussi de voir un petit peu vos retours. On va en tout cas ouais, s'en arrêter là. Monsieur est beaucoup trop zen, hein, vraiment. Et en plus, il me regarde. Mec, il me met la pression, regarde. Il me met une pression. Bref, j'espère que cette série vous plaît, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant votre petit pouce bleu. Moi, je relancerai le jeu et on se retrouve pour le prochain épisode. C'était MKolo, je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde !